Heureux. Bonne journée, Chizu. Même en sifflant, c'est faux. Ni 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 ni. Tu sais qu'Easy, t'as pris un ban life et 32 time out, je viens de voir ça. T'es vraiment un putain de troll, hein. Insupportable. Alors. Un miracle. Je vois pas de quoi tu parles. C'est factuel, monsieur. Il y a les stats. Le ban life, c'est un Théo loupé. Ah. Donc 33 time out. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore ici? Merci, Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis que la moitié sont pas justifiées. Donc tu es quand même d'accord pour dire qu'il y en a au moins 15 qui étaient quand même parfaitement justifiés. Ce qui est quand même pas mal. J'ai essayé un truc. Moi, j'ai trouvé une pioche pour quelque chose que j'ai dit pour laquelle tu voulais éviter que ça puisse lancer un débat forum de mémoire. Oh, c'est possible, je sais plus. Comme généralement, si je me rappelle pas, c'est que c'était pas très important, ou c'est que vous êtes globalement pas casse-couille. Oh. Ouais, on a quand même vachement plus donc l'accès sur la violence. Hein. On a quand même effectivement beaucoup plus accès en mode violent. Hein. Maintenant, ouais, c'est la guerre quoi. C'est soit regarde les yeux. Oui, c'est les yeux des sauvegardes pour le coup. Mais oui, qu'est-ce que. Parce que le tableau, j'ai rien compris. En bas, il y a des yeux, ça rappelle pas quelque chose. Bah, c'est le logo du jeu. Quand à chaque fois que j'ai une petite sauvegarde, j'ai fait des yeux. Une tour en dessin, j'en veux plus. Aussi, il y a une tour en dessin dans le 1, non? Attends. Où est-ce que tu vois une tour en dessin, là? Sans dire une sucette? J'ai vu gamin en laisse. Allez, repart une fois. À l'envers. Attends, what? Antenne. Je sais pas. On en reparlera. Ça, les genres de trucs en mode lore et tout, on en parlera quand j'aurai fini le jeu. Tiens, pour une fois, Izzy, t'aurais pu voter d'ailleurs, comme t'étais plus modo pour les prédictions. T'en as même pas profité pour voter. Qu'est-ce que t'as, bébé? Oh. Non! Tu veux sortir, c'est ça, Maverick? A plus tard, allez Valentine. Oublie pas lundi, hein. On compte sur toi. Hein. La vie élastique. Non mais ah, ce drift. Ah ce. Je fais pas exprès de faire ce slide. Parce qu'oublie pas, et les bords, je sais pas si t'es toujours là. Ou si finalement t'as été lancé ton live. Mais on est 8 lundi. Oh j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte qu'on puisse défoncer le raid. J'ai trop hâte. Non, yes, trial. On est 8. Salut à toi. Coucou.
La laisse pour enfants. Ah, c'est chaud. Parce que plutôt pas de gamin. En général, hein. Comme ça, t'es tranquille. Pas besoin de laisse comme ça. Quoi, il arrive pas à monter, je comprends pas. Cours. Allez, non. Non, oui. Oh mon dieu. D'accord que la dev de ce jeu était des fans de Beetlejuice. Salut Katan, ça va et toi? Oh putain. L'univers est toujours aussi chelou que le 1. Oui, non, mais les mêmes canaux. Non, mais je vois bien les références là-dessus. Mais j'essaie de comprendre un peu par contre. C'est-à-dire que tu vois, l'univers est vraiment chelou. Mais j'aurais bien aimé peut-être. Je sais que c'est très, très critique, tu vois, comme histoire. Mais j'aurais bien aimé peut-être pour l'instant déjà quelques indices par rapport au 1. Peut-être qu'après on le saura tout sur la fin, mais bon. Tu l'auras. Bon, ça va alors. Ça va. Si je l'ai à un moment ou un autre, ça me va. D'accord, c'était pas par là. C'est assez subtil. Ah, bien joué. Plus rapide que moi. Merci. Beetlejuice, mais sans les couleurs flashy. Alors, attends. Est-ce que ça, je pourrais pas le tirer? Si, ok. Ça pue. Ah mais elle me mange. Cours. Et là, parce que je faisais pas exprès de drifter, sprinter, je sais pas quoi. Ah c'est comme ça, ok. Bonjour. Pourquoi est-ce que tout le monde veut ma mort? Pourquoi il n'arrive pas à faire le tour? Attends. Yes, Katon. Mais bon, t'arrives un peu pendant la guerre. Bonjour. Oh, saloperie. Allez, elle est sympathique, hein. Elle est sympathique, hein, gars. C'est Little Nightmare. C'est le deuxième opus, Katon. Le premier, je l'ai déjà fait dans les OS Games. Et le deuxième, bah, aussi. Au final, c'est vrai qu'on aura fait les deux Little Nightmares pendant les OS Games. J'arrive pas à... Allez! J'ai du mal à me déplacer. Les deux... Ori avait été fait pour le plaisir. Enfin, pour le plaisir, à côté. Je galère beaucoup, par contre, à me déplacer, là, sur les trucs. Ah, c'est bon, faut que je monte... Je crois que c'est que à certains endroits en fait que tu peux pivoter. Saloperie. Putain, les yeux. Mais non, elle va jusqu'où?
Elle est horrible. Oh putain, elle est horrible. Ça me fout des frissons, ces yeux morts un peu. Elle est abominable, la maîtresse. Fait penser à une ancienne maîtresse de mon enfance. C'était, ça doit être. Ok, il y a un indice là. Ouais, là c'est bien foutu l'indice pour le coup. On voit bien les traces et tout sur le sol, c'est bien foutu. Hein. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Tout va très. Évidemment, une putain de clé est nécessaire. Pourquoi il brûle les livres? Pensez à Fahrenheit 456, je sais plus combien. C'est trop calme. Chou. Mon petit cas. On va pas s'en mettre. Qu'est-ce qui t'arrive, petite interférence? Merci pour le sub. Merci pour le sub pour le 9e mois d'abonnement, Artus. Merci beaucoup, mais va chier. Mais merci. Pourtant, j'adore l'argent, hein, mais là. T'as fait exprès d'aller à Artools ou pas du tout? Je suis curieux. Ça se passe, sérieux, ouais, que ça se passe. Mais là, c'est calme. Hein. C'est très, très calme. Bonjour, Systemix. Là, c'est très, très calme, là. Ça pue du cul, là, quand c'est aussi calme comme ça. Donc, j'ai une porte à ouvrir, quelque chose à ramener. Je le reprécise, hein, ça n'a rien à voir avec le jeu, mais la joie que j'ai de revoir tout mon écran, c'est un bonheur. C'est un putain de. Merde. C'est un putain de bonheur. Hein. Ce nouveau bras de micro, ça me change complètement la vie. C'est mon. En fait, en gros, mon ancien bras de micro, Easy, j'avais la partie gauche de mon écran, je pouvais pas voir, j'arrêtais pas de faire. Tac, pour voir la gauche de l'écran. J'ai encore donc changé de bras de micro parce que j'ai enfin trouvé un bras de micro sympathique que bah, je me suis pris, hein, tu vois, pas de soucis, et que j'ai pu placer en fait différemment. Et je revois bien là tout l'écran. Vous m'entendez mieux, je ne gueule, je parle beaucoup moins fort qu'avant, et c'est le bonheur absolu. Je comprends pas. Non, non, non.
Mais non, mais... Ok. C'est moi où il y a un gamin qui est attaché à un fou? Ou non, c'est le roi? Très bien. Eh ben écoutez, c'est bonne ambiance, hein. Parce qu'en haut à gauche, on a la reine. Non, c'est le roi. Attends, je sais jamais. Je sais plus. Longtemps, putain. Perturbe. Non, c'est le roi en haut à gauche. La reine, c'est la couronne. Non, le roi, c'est la couronne. La reine, putain, je sais plus. Oh, de toute façon, sorcier, c'est vraiment terrible, ouais. Très bien. Très bien. Ça, c'est la reine. Ça, c'est la reine. Ça, c'est la reine. Je sais pas pourquoi, mais j'avais en tête la reine que c'était la... J'avais en tête que la reine, c'était la couronne. Que le roi, c'est la couronne, bref. Faut tourner, sautiller, c'est parti, ton gameplay. Vous m'embêtez, Notamaniac. Comment je grimpe là? Ou alors il faut que la reine bouffe le roi? Genre ici? Parce que là la reine bouffe le roi. Mais il se passe rien. Je cherche trop loin, c'est ça? Tu me diras la reine bouffer le roi ici aussi. Ceci dit, si ça c'était la reine, ça marche aussi. Bref. Oh. D'accord. Toute façon, avec la moitié des pions en moins, c'est compliqué de faire le checkmate. Hein. J'ai encore été trop confiant en votant. Mais non. Attends, il y en a 4. Le roi. Oui, mais là on en a qu'un seul. Et le truc, c'est que le roi, je sais pas comment le récupérer. Ça va, je sais jouer aux échecs. Ma problématique là, c'est pas de comment le mettre en échec et mat. Le problématique, c'est d'avoir les pions. Tu les as. Non, faut que j'aille chercher le roi à gauche là, ça se voit, faut que je récupère la couronne. Bah, tu as juste à les placer comme ici en fait. Allez, je reviens, je vais remettre ma bouffe. Je vais réussir à trouver, hein. On va trouver, on va trouver. Alors. Pourquoi vous l'avez pas fait jouer? T'avais qu'à mettre tes 100 000 points 2 secondes avant et ça serait passé. Pourquoi t'as fait un hors-jeu? Hein? T'avais qu'à pas faire un hors-jeu. Et je précise, hein, on appellera ça maintenant la jurisprudence Sariwak. Hein, mais dans tous les votes à venir maintenant, ce qui comptera, c'est le timer en haut à droite. Ok? Donc s'il y a des hors-jeux, je les compterai pas non plus, ça sera ce qui a été pour le Sariwak sera le cas aussi. Hein. Il y a des limites de développement là-dessus. Alors Alex peut pas avoir le truc pile poil, donc enfin il y a personne qui a voté pour Resident Evil 3 quasiment par gros crack.
C'est lui qui a tout donné pour Resident Evil 3, qu'est-ce qu'on me chantait? Putain, elle est costaud de Zedling par contre là. Le graphique est vraiment instant. Le graphique est instant, ouais. À partir du moment où t'appuies, il n'y a même pas une demi-seconde. J'irais un dixième de seconde où ça pop. Donc ouais, il y a vraiment, si tu respectes le timer, t'es impeccable. Si tu le fais genre, il reste une seconde sur le timer, t'appuies sur le truc, ça passera avant, pour te dire. Tu peux vraiment le faire, tu vois, au dernier moment. Mais là, c'est-à-dire que là, il a appuyé bien après. C'est une cause perdue qu'on n'a pas votée. Hein. Ouais, mais c'est pas, il n'y a jamais de cause perdue. Là, il avait plus de 2 secondes de retard, ça, Rewak, sur les votes. Hein. C'est beaucoup, 2 secondes. Non, mais non! Mais fous-moi la paix! Je vais te repurger, toi! Ta modération va encore sauter. Parce que là-bas, il y a des roulettes. Mais je peux quand même pas pousser ça. Ouais, non. Plus je commence à avoir faim, là, c'est pas bon. Déjà, pourquoi est-ce qu'il a placé son roi ici? Ça n'a aucun sens. Cavalier, il peut rien faire. Si, le cavalier, il peut prendre la reine là. Ok. Le cavalier peut prendre la reine, les pions peuvent rien faire. Ici, on le bloque. Putain. Oh, j'en ai beaucoup fait gamin pour le coup, Chien. J'en ai beaucoup, beaucoup fait gamin. Mes parents m'avaient acheté le truc électronique Kasparov, c'était rigolo. Là, mon problème, c'est pas comment le mettre en check, c'est comment choper les pièces. Ouais, je lance une tour, je t'avoue que je la reconnaissais pas non plus là. Par contre, globalement, tu mets la tour un cran en dessous pour le bloquer. Ah non, ça, ah non, je suis con. Parce que sinon, il aura pas s'enfuir à droite. Attends. Est-ce que là, ça couvre la ligne du... Là, elle est trop bien placée, là, la reine. Elle couvre en haut, à gauche, la diagonale. Donc, la seule le seul échappatoire, c'est vers la droite, mais là, la tour. Là, il est en... Oui, non, là, il est en échec et mat. Le problème, c'est que je trouve pas la tour et je trouve pas le roi. Je le vois, mais je sais pas comment l'atteindre. Attends, je vais essayer un truc. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Elle est à galérer sur celle-là ou pas, toi? On t'a trouvé direct et je suis vraiment un gros gogol. Non. je suis vraiment un idiot, j'en ai marre. J'ai galéré 2 fois dans le jeu. Putain. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est son côté connasse. Oh, mais t'es sub chez Plume Drago. Nice. Trop bien son Teddy Bear. Je sais jouer aux échecs, oui. Je sais jouer aux échecs. Demande à la playlist. Non, mais je sais jouer aux échecs, vous m'emmerdez.
J'ai pas les pions, c'est, je comprends pas le rapport entre les échecs et les pions, là, je sais jouer aux échecs. Merci, je comprends juste pas, là, le... Salut Freddy, comment vas-tu? C'était une vraie question, je me moque, pauvre. Non, mais pour Arctic Beau, là, je vois pas le rapport entre... Là, le problème des échecs, c'est comme si vous me disiez, est-ce que je sais conduire une voiture qui... c'est une voiture qui a pas de roue. Vous voyez? Je sais conduire, mais si la voiture, elle a pas de roue, voilà, là, je sais jouer aux échecs, mais si j'ai pas les pions, bon... Non mais je vais trouver. C'est le carré là. Mais je te... Salut El Karil et Izzy, tu m'emmerdes. C'est une tour visiblement. C'est lui là, c'est ici. En gros, la tour donc. Le bleu. En fait, la tour l'empêche d'aller ici, ce qui est le seul passage que la reine ne couvre pas ici. Le roi... comment ça s'appelle? Mais attends, mais... Ah, la reine, elle est mal placée. Attends, la reine, elle est mal placée. Attends, il y a un problème. Attends, non, mais... Ah non, j'avais mal vu ici. Non, c'est pas la même diagonale. Elle est censée être sur le blanc, la reine. What the... Il y a deux cases ici, attends. What? Ouais, non, elle est... Putain, c'est elle, la reine. Oui, mais il y a un problème, regarde. Là, t'as deux cases d'écart, parce que la reine, elle est censée couvrir le blanc devant. Là, actuellement, elle couvre le noir. Je comprends pas. Non, mauvais développeur. La reine, elle est censée être là. Hein. Enfin, en gros, on est censé avoir une case en moins pour que la reine, en fait, se retrouve ici. La reine est censée ici, couvrir la diagonale. La tour est censée bloquer, en fait, le fait que le roi s'enfuit ici. Et le roi n'est pas forcément nécessaire pour le coup, là. Si le roi est bel et bien ici, il n'est pas forcément nécessaire. Parce que la reine couvre déjà la diagonale, en haut, en bas, et la tour couvre la droite. Ah, si, le roi, si. Le roi, il est nécessaire pour que le roi puisse pas s'enfuir ici. Qu'il le prenne en diagonale ici. Je comprends pas. Je reviens, mais vous faites prête. Je comprends pas. Ça me rend ouf.